Salut tout le monde, c'est Elliot et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une vidéo Mail Day. Aujourd'hui la vidéo risque d'être pas mal longue parce que j'ai beaucoup de stock à vous montrer. Donc premièrement, ici j'ai, ben ça se voit pas mais c'est une boîte. J'ai reçu, en fait j'ai commandé 4 boîtes, puis c'est ça, sont arrivées. Donc je vous montre ça direct là. Donc première boîte. Panini Zenith de 2010-2011. C'est toutes des boîtes que j'ai jamais ouvertes avant, donc ça va être vraiment intéressant à faire. Ensuite, 2011-2012 Panini Elite. Après ça, j'ai une boîte retail de Predict Series 1 de 2012-2013, l'année, ben ouais, l'année du dernier lockout. La classe de recrue est très moyenne, mais ça devrait être quand même le fun à ouvrir. Puis la dernière boîte. Le décor tombe, mais c'est une boîte de Team Canada Junior de 2016 avec notamment Mitch Marner, Dylan Strome, puis Thomas Chabot, je pense, Pierre-Luc Dubois, en tout cas, un des deux, peut-être les deux, mais c'est ça. Donc, 4 boîtes, les prix 50 pour celle-là, 50 pour Zenith aussi. Elite, c'était la plus chère, elle a coûté 65, puis Team Canada Junior, je l'ai eu pour 55$. Donc, 4 bons deals, 4 boîtes avec. Ben, en fait, non, ok. Ces 3 boîtes-là, il y a 4 hits par boîte, si je me trompe pas. Zenith, c'est peut-être 3, mais j'ai vu des boîtes qui en avaient jusqu'à 9, fait que. Ben, c'est ça. Donc, j'avais pensé les ouvrir en ordre de la plus vieille à la plus récente. Donc, je commencerai avec Zenith samedi qui s'en vient. Elite la semaine d'après. Ça, l'autre d'après, puis Team Canada dans comme un mois. Mais s'il y a une boîte en particulier que vous voulez voir en premier, ben laissez-le moi savoir en commentaire, puis je vais peut-être commencer par celle-là. Donc, voilà, ça va être malade. Ok, ensuite, la deuxième portion de cette vidéo, c'est des résultats de Group Break que j'ai fait plus ou moins récemment. Quand je dis plus ou moins, c'est parce que il y a tellement de cartes que. J'ai l'impression qu'il y en a à peu près pour un mois de group break, puis que je viens de les recevoir tout en même temps. Donc, voici la pile. Pour vrai, c'est incroyable le nombre de hits que j'ai obtenu. Donc, on commence direct maintenant. Et voilà. Trop de stock, ça fait que ça tombe. Donc, au début, on a du Ice. On a des Ice Premiers de Mathieu Olivier. On va focus. Mathieu Olivier. Nico Sturm deux fois. Brady Keeper, une, deux, trois, quatre. Il y en avait plus. Shit. Je vais tomber encore, mais 5. Puis, ok, ça c'était vraiment la dernière. Ensuite, j'ai participé à des mixers, ben des Young Guns Chase qui s'appellent dans le fond, où c'est juste des boîtes retail de Upper Deck. Donc, c'est Young Guns par boîte, évidemment. Puis un prix pas très cher, donc j'en ai une tabarnak de piles ici. Puis il y en a d'autres un peu plus loin dans la pile. Fait que je vais vous montrer ça. On a Yakov Trenin de SP Authentic, une update. Tyson Jost, Yannick Hokkanen, Neil Pionk. Ça aussi, je pense que c'était. Ah non, ok, 2018-2019, c'est rien. Je pensais que c'était une update. En tout cas, Sam Lafferty, Pavel Zaka, Pierre Engvall. Trevor Moore, Ryan Lindgren, Jimmy Vesey, Rhett Gardner, Lucas Walmark, Carter Rowney, Jake Dodgson, Mitchell Stevens de. Ouais, en fait, Mitchell Stevens, puis Nick Camano, update de SP Authentic, puis Adam Gaudette. Donc. Ouais, c'est ça, j'ai pogné les Canucks dans. Ben, c'était un team random dans le fond. J'ai pogné les Canucks, puis c'est la seule Young Guns que j'ai eu. J'étais déçu parce que j'aurais pu avoir Brock Besser, Quinn Hughes. Elias Pettersson, mais c'est pas arrivé, juste Adam Gaudette. Ensuite, ici j'ai une carte random, mais André Vasilevski de The Cup, une carte de base numérotée 29 sur 249. Donc, on poursuit avec d'autres Young Guns, comme je vous l'avais dit, des plus gros noms. On a Victor Olsen, Miro Heiskanen et Rasmus Sandin deux fois. Après ça, c'est pas mal dans le désordre, fait que. Je pense qu'en haut, c'est carte numérotée, jersey, puis autographe. Donc,
On va commencer par les cartes muletées. On a une Sam Steele Exquisite Rookies de Black Diamond, je pense. Je suis plus certain. Ensuite, Dante Fabre Exquisite Rookies de Ice. Même chose, mais de Black Diamond cette fois-ci. Ensuite, Run for the Cup de Ryan Johansson. C'est une carte vraiment weird, mais elle est assez nice. Ah, puis, elle est numérotée sur 99. Voilà. Et Denis Gurianov, Premier Rookie, numéroté 29 sur 399. Donc, on passe maintenant au jersey. Là encore, il y en a une chier. Donc, ok. Finalement, il y a d'autres cartes numérotées là, mais on va y aller. Donc, Game Jersey de Jonathan Huberdeau. Diamond in the Rough Relics de Pecorino. Diamond Debut Relics de Dante Fabro. Une Lord Stanley's Legacy Relics de Ryan Getzlaf, c'est Artifacts. Ensuite, Rookie Materials de Jesper Boqvist. Ah oui, j'avais aussi pogné les Devils dans une Young Gun Chase, puis j'ai pas mal rien eu à part lui. Donc, la déception. Ensuite, de SP Gaming Used, on a André Vasilevski, NHL All-Star Skills Competition, numéroté sur 125. Relic Blend, en tout cas, ça écrit 2019. Malade! Après ça, une All-Star Skills Fabrics de Steven Stamkos et Drew Doughty. Ça, je l'ai gagné dans un randomizer entre les deux équipes. J'ai été quand même un peu chanceux. Puis, ici, une belle carte pour la collection personnelle, Bree Keeper. Dual Jersey, numéroté 319 sur 499. Le jersey est vraiment nice. Donc voilà. Ensuite. Bon, mais dans le fond, on a du SP Authentique qui s'en vient. Puis il y en a quand même pas mal. Donc, on commence par des petites cartes. Future Watch, non autographiée de Nikolai Progorkin sur 999. Future Icons des Kings avec Blake Lizotte puis Tobias Bjornfot, numéroté sur 199. Puis les autographes. Il y en a beaucoup parce que j'avais pris beaucoup d'équipes. Ben Bishop, Sign of the Times, rétro, je pense. Après ça, Alex Radulov, Sign of the Times, update de 2018-2019. Ça c'est Joël d'Espérance, Future Watch Auto, numéroté sur 999. Riley Stillman. Ouais, ça m'a fait chier parce que je voulais vraiment Brady Keeper, puis je l'ai toujours pas. Donc, je vais probablement juste l'acheter parce que ça va être moins cher. Comme ça. Ensuite, une Limited Gold autographe de Mikael Granlund. Une Sign of the Times de Mikael Granlund. Future Watch Auto Retro de Nico Sturm. Puis Future Watch Auto Update de Sam Steele. Donc, une bonne récolte dans Esprit Authentique. Mais ça m'a coûté quand même cher pour avoir ces autographes-là. On poursuit avec Ice. Je sais pas où est-ce que ça s'arrête. Ok, ici. Donc, Ice Premier's Jersey de Nico Sturm et Brady Keeper. Yes. Ensuite, une Signature Swatches de Eric Staal. Numéroté sur 99, c'est une belle carte. Le Wild coûtait vraiment pas cher, puis j'ai été chanceux d'obtenir un hit, donc ça m'a fait vraiment plaisir. Et finalement, dernière carte de Ice Buckets de Alex Barkov, numéroté sur 99. Oui, c'est flou, mais c'est 99. Et voilà, une très belle carte également. Pour finir, des autographes de Credentials, Chronology, Black Diamond, puis Clear Cut. Donc, oui, il y a un peu n'importe quoi. Premièrement, Credentials, deux autographes de Elvis Merzlikins, un sur 299, donc l'autographe rookie de base, et un sur 65, début Ticket Access Auto Red. Donc, c'était dans le même break. C'était... Je pense que j'ai pris la dernière équipe qui restait pour closer le break. Puis c'est ça que ça a donné, donc très content avec ça. Ensuite, dans Chronology, les Panthers coûtaient comme 10 ou 15 piastres pour un 8 boîtes. Fait que j'ai eu Olli Jokinen autographe. Pas numéroté, celle-là. Ensuite, Black Diamond encore. Rookie Gems autographe de Troy Terry. Numéroté sur 199. Et Silver on Black Signatures de Tyler Seguin, numéroté sur 25. Oh shit, j'avais pas vu ça.
Finalement, le dernier autographe d'aujourd'hui, André Vasilevski, Clear Cut Base Autographe. C'est ça. Fait que Clear Cut, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un produit avec une seule carte par boîte. Donc, j'ai été vraiment chanceux de pogner Vasilevski parce qu'il y avait juste une boîte de Clear Cut dans le break. C'était un gros mixeur avec comme 11 boîtes, je pense. Mais c'est ça qui fait le tour de cette vidéo, MailD. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des ouvertures qui se reviennent très bientôt. Comme je l'ai dit, ces quatre-là, ça va être vraiment nice à ouvrir. Vous voudrez. Vous. Ouais, c'est ça. Vous voudrez pas manquer ça. Donc, d'ici là, passez une belle journée. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires s'il y a une boîte que vous préfériez voir en premier. Puis, d'ici là, je viens de le dire, mais Chris, passez une belle journée, s'il vous plaît. Puis on se revoit la prochaine fois. Bye!